Fatouma Tekebe, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en astronomie, vous êtes spécialisé dans les débris spatiaux, mais vous avez publié un livre en avril 2019, « La Lune est un roman, histoire, mythe et légende », paru aux éditions Slatkin et compagnie. Alors, cette année, on fête les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune. De façon générale, quelle histoire raconte la Lune dans les différentes sociétés anciennes, donc avant Apollo, jusqu'à Apollo, et puis aussi plus récemment? Le point commun qu'on va retrouver dans les histoires autour de la Lune, c'est la notion de temps. Parce que la Lune, c'est celle qui a permis, par exemple, aux Égyptiens de mettre en place un calendrier pour leur activité agricole qui était extrêmement importante à l'époque. Et c'est vrai qu'on trouve vraiment cette notion de temps, même dans le mot menstruation aujourd'hui qu'on connaît, qui vient du mot mensis, qui était lié à la Lune, parce que la Lune, elle a un cycle qui dure tous les 29 à 30 jours, ce qui est beaucoup plus facile pour l'être humain de se repérer dans l'espace, dans le temps plutôt, comparé au Soleil, qui là, par contre, on a plus de 300 jours. Et alors, comment ça a évolué, cette façon de représenter cette Lune? Vous parlez des Égyptiens, est-ce que dans le monde grec, en Antiquité, puis ensuite par la suite au travers des différentes civilisations, quel rapport en fait à la Lune les différentes civilisations avaient-elles? On peut prendre l'exemple du dieu indien Chandra, qui représentait le dieu Lune à l'époque, et en fait il symbolisait la vie, la mort et la renaissance. Et derrière ces notions, on retrouve encore une fois des choses communes avec d'autres peuples, par exemple chez les Grecs, où on a par contre la déesse Sélénée, donc pour la Lune, et le mot séléniaque servait à définir les malades mentaux. Donc il y avait cette notion extrêmement péjorative derrière la Lune, c'est aussi la Lune comme objet de crainte, et encore aujourd'hui, on dit d'une personne qui est lunatique, c'est qu'elle change d'humeur de manière assez soudaine, et c'est plutôt péjoratif. Tandis que quand on dit d'une personne qui est solaire, là par contre c'est positif. Et partout, on a cette confrontation entre le solaire et puis le lunaire dans les différentes représentations des astres? On a une confrontation entre le Soleil et la Lune, mais on a également un lien spécifique avec la Lune, puisque le Soleil, c'est le jour, donc on voit tout, tandis que la Lune, le fait qu'elle éclaire la nuit, qui est sombre, et surtout, en fait, c'est comme si elle nous forçait à sortir des choses qui sont enfouies en nous. C'est même pour ça que Carl Jung, en psychologie, a étudié la Lune comme une espèce de réceptacle de nos émotions, des choses cachées, etc. Quel est le rapport en fait de la Lune vis-à-vis des hommes au travers des religions? Alors aujourd'hui, on peut parler de deux calendriers qui ont un lien assez fort avec la Lune. Il y a le calendrier chinois, qui est un calendrier lunisolaire, donc il prend à la fois en compte le cycle de la Lune et également celui du Soleil. Et il y a le calendrier musulman qui lui est purement lunaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un calendrier qui est suivi par plus d'un milliard de personnes sur Terre. Et ce calendrier leur permet aussi de définir les fêtes religieuses de leur religion. Et là, par contre, la Lune n'est pas du tout déifiée. C'est plutôt, encore une fois, un objet de mesure, comme à l'époque et dans les temps anciens. Pourquoi est-ce que certains calendriers sont basés sur le Soleil et d'autres sur la Lune? Alors, l'histoire derrière les calendriers est un peu plus complexe que ça, puisque dans le cadre du calendrier romain de l'époque, il a été modifié par le pape Grégoire, parce qu'il y avait un problème avec la fête de Pâques qui se décalait beaucoup trop, en fait, avec le temps. Dans le cadre de la religion musulmane, le calendrier lunaire, c'est dû en fait à un ordre qui vient du Coran, simplement, qui dit d'utiliser la lune pour pouvoir définir le début d'un mois lunaire. Pour les religions, c'est plutôt un ordre, mais après, c'est vrai qu'encore une fois, la lune est un astre qui est beaucoup plus facile de suivre en termes de temporalité. Au travers des différents mythes du rapport de l'homme avec les astres, quels sont les contes, les légendes qui sont associées à la lune? Alors parmi les contes, il y a ceux qui vont permettre de comprendre, enfin de définir plutôt des phénomènes astronomiques autour de la Lune, et notamment l'éclipse. Donc on peut aller encore une fois dans la mythologie indienne, où en fait il fut un temps où seuls les trois dieux primordiaux étaient immortels. Et il y avait des dieux et des démons de seconde catégorie qui eux n'étaient pas immortels et qui souhaitaient le devenir. Et pour ça ils vont barater la mer, donc comme on fait pour le beurre, pour faire cet élixir. Et une fois qu'ils vont obtenir cet élixir, eh bien les dieux qui ne veulent pas que les démons en prennent, vont faire deux files d'attente, avec chacune ayant une certaine portion d'élixir. Donc les démons d'un côté, les dieux de l'autre. Mais en fait, les dieux dans le flacon des démons n'ont pas mis d'élixir d'immortalité. Et donc, ils font la queue. Et par contre, un démon, Raou, sait qu'il n'y a pas d'élixir d'immortalité dans l'élixir des démons. Et donc, il va se cacher, se faufiler dans la file des dieux.
Et le dieu lune et le dieu soleil vont le voir et vont tout de suite le rapporter à un dieu primordial qui va couper la tête à Raoult. Mais Raoult, avant que sa tête ne soit coupée, il va avoir le temps d'humecter un peu d'élixir. Et sa tête étant coupée, le dieu primordial va séparer son corps du reste de sa tête et va les projeter dans l'univers. Et la tête est toujours immortelle, donc elle vit toujours. Mais Raoult a ce désir de vengeance envers le soleil et la lune. Et en fait, lors d'une éclipse, c'est en fait Raoult qui se venge, qui mange la lune et le soleil. Mais comme il n'a plus de corps, il le recache très rapidement après. De façon générale, le soleil et la lune sont les dieux supérieurs dans la plupart des mythologies. En général, le dieu soleil est un dieu important, mais le dieu lune, c'est plutôt une fonction de moindre niveau. En général, c'est pas forcément dans la mythologie égyptienne. On voit qu'à un moment donné, la lune est un attribut. Ce n'est pas un dieu en lui-même. C'est pas un pendant du soleil la nuit. Pas tout le temps, parce qu'on va rappeler en fait que le soleil, il a sa propre lumière, tandis que la lune ne fait que la refléter. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, dans certaines mythologies, on va voir que le soleil va être un homme, tandis que la lune, une femme, parce qu'elle ne fait que refléter et qu'elle a un rôle passif. Donc depuis 1969, le premier pas de l'homme sur la lune, comment a évolué la place qu'on porte à la lune dans nos sociétés? La lune occupe une place un peu moindre parce qu'on est occupé par nos tâches quotidiennes, mais ça n'empêche qu'elle a toujours une place importante dans notre ciel, puisque déjà on voit beaucoup moins d'étoiles que par rapport aux anciens. Donc la lune occupe encore une place plus importante dans notre ciel. Et de l'autre côté, quand on voit le nombre de personnes qui se déplacent pour observer une éclipse solaire et lunaire, on voit qu'elle a toujours un attrait extrêmement important. De l'autre côté, si on compare la lune par rapport aux autres astres dans le système solaire, comme je prends l'exemple de Saturne, Saturne, on vous le montre dans le ciel, vous voyez un petit point. Il vous faut un télescope pour voir ces magnifiques anneaux, tandis que la Lune, il n'y a pas besoin de matériel, rien du tout. Vous l'observez, vous voyez tous ces cratères. Vous reconnaissez la mer de la tranquillité, l'océan des tempêtes. Et c'est ça, en fait, qu'elle a vraiment un aspect très important en termes d'objets célestes pour les êtres humains. Et de l'autre côté, on voit ses effets sur la Terre, on les connaît. Même si on n'arrive pas forcément à les comprendre, on sait que les marées, il y a la Lune qui est derrière. Tandis que les autres astres du système solaire, pareillement, on va se dire, bon, ça peut être un effet, mais pas aussi grand que celui de la Lune. Et dans le futur, vous voyez comment notre rapport à la Lune évoluer? Je pense qu'il y a cette notion, enfin, ce trait de caractère chez l'être humain qui est d'explorer ses environs, et donc la Lune en fait partie. Donc je suis pour un retour vers la Lune, mais un retour écologique, un retour qui va respecter cet astre, et aussi un retour qui va nous permettre d'en apprendre plus sur l'origine de la Lune, de la Terre, du système solaire, et aussi de faire de la Lune un observatoire, puisque sur la Lune, il y a moins de perturbations qu'on peut avoir sur Terre.